Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qui m'envahit chaque fois que je suis devant ce micro pour cette émission Profondeur que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre à travers le pays. Je dis bonjour et bonsoir à mes amis de Colwézi, à ceux de Lubumbashi et ceux de la diaspora qui me suivent par le canal de YouTube et les autres encore. Aujourd'hui, nous allons parler de ce ping-pong politique. C'est vrai que pour mettre tout le monde d'accord, nous avons toujours évité les sujets politiques. Quand votre pays est en train de glisser, vous n'allez pas éviter d'évoquer ce sujet qui devrait nous mettre ensemble. Alors, je vous présente tout de suite mes invités. Il y a un petit nouveau, mais enfin, il n'est pas petit. Vous allez le voir. C'est l'abbé José Poundou. Monsieur l'abbé, bonsoir et bonjour. Bonsoir et Je vous bonjour, appelle petit nouveau parce que c'est un terme générique. Quand nous étions à l'école, celui qui venait le dernier, on l'appelait toujours le petit nouveau. Merci vraiment d'être venu nous rejoindre. Merci pour Alors, l'invitation. deuxième personne qui est avec moi, c'est monsieur Bonigaba Modeste. Il ne faut pas que je me trompe. On commence par le prénom, c'est ce que je prêche. C'est Modeste Bonigaba. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi. Norbert Yamba, Norbert, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, monsieur Kibambi. Qu'est-ce que ça vous fait, vous deux, aujourd'hui, qu'on aborde carrément la politique on n'a pas l'habitude de parler politique dans cette émission, Modeste Bonigaba. Ça vous fait comment? Ben, effectivement, Pas habituel. ce n'est pas habituel, donc on va avoir du mal peut-être à dire les choses comme on a l'habitude de le faire, parce qu'on essaie de se mettre un peu au-dessus Comme l'aigle. comme l'aigle au-dessus des débats entre opposition, majorité, tout ça. Ben, aujourd'hui, on va bien être obligé d'entrer dedans. Norbert, ben, je vous ai carrément tiré du lit. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, enfin, vous êtes déjà carrément politique, mais vous savez vous dédoubler avec une facilité déconcertante. Vous êtes en plein en politique. C'est votre élément. Non, mais c'est Kibambi, vous avez tiré au filet. Nous avons toujours discuté sur des questions qui intéressent la République, mais nous avons tout le temps marginalisé la politique. Or, on ne peut pas arranger les questions de la République si on ne sait pas véritablement organiser et consolider la politique de la République, parce que c'est la politique qui véritablement constitue la boussole de ce que représente un pays. Dieu merci. Si on peut y mettre de la profondeur sur ces questions politiques, on aura fait un bon bondissement, on aura servi la République. Faites-moi confiance, c'est pour cela que l'abbé José est là, c'est pour mettre un peu tout le monde d'accord. Monsieur l'abbé, cette invitation, vous l'avez acceptée de bon cœur et je vous remercie. Nous assistons en ce moment à ce que nous avons appelé ce ping-pong politique. Alors que, semble-t-il, les deux chefs, les deux éléphants s'entendent très bien, mais leurs acolytes n'arrivent pas à s'entendre. Tel fait, telle déclaration, tel autre fait, une contre-proposition, ça fait un peu désordre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire devant ce que moi j'appelle le désordre? Est-ce que le pays n'est pas en train de prendre feu? Non, je ne dirais pas que le pays est en train de prendre feu. Je dirais tout simplement que le pays n'a pas beaucoup, beaucoup évolué. Dans ce sens que les alliances qui se font dans notre pays, quand on analyse historiquement, eh bien, on constate que ce sont souvent, je pèse bien mes mots, souvent des alliances d'intérêt. Et ce ne sont pas des alliances fondées sur une commune vision. Sur l'idéologie. Sur l'idéologique. L'idéologique, c'est ce qui mène le monde. C'est tout ce qui se termine par le isme, là. Mais bon, bien entendu, si vous ne vous mettez pas d'accord sur cette base idéologique, une vision commune, comme moi j'aime appeler cela,
eh bien, vous êtes parti pour des alliances d'intérêts, intérêts souvent purement matériels, hein, intérêts purement matériels. Et ça fait jungle. Et ça fait la jungle, hein, parce que lorsque on est unis pour des intérêts matériels, ben, chacun veut avoir et le plus gros morceau. Et alors, à un moment donné, s'entraîne quoi? S'entraîne qu'on s'entretue. Hein, dans le même camp, on peut s'entretuer dans le même camp. Mm-hmm. Voyez, et entre camps différents, encore pire. Voyez. Et donc, la première chose que je peux dire par rapport au sujet, c'est que le pays, notre pays, a besoin d'une cohésion nationale face à un ennemi commun. Et malheureusement... L'ennemi commun, il serait... L'ennemi commun, je l'appellerais une certaine mafia politico-financière internationale. Mm-hmm. C'est comme ça que je la qualifie. Une mafia politico-financière internationale. Et les deux mots-là, politique et finance, vont ensemble. D'accord. N'est-ce pas? Et si nous ne nous battons pas contre cet ennemi, c'est-à-dire si nous ne sortons pas de ce système qui est mis en place par l'ennemi et que nous avons adopté, et qu'on nous a fait adopter, et que nous avons intériorisé, eh bien, si nous ne sortons pas de là, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, comme on dit. Merci, monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé est tout de suite monté très très haut. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Descendons quand même un peu. Qu'est-ce qui fait que il y ait ces fausses notes? Merci, monsieur Kibambi. Vous avez dit que il semble que les chefs s'entendent. Mm-hmm. Et pourtant, les collaborateurs ont l'air de s'en frotter de manière récurrente, etc. Mais je voudrais vous dire que il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le poisson commence à pourrir par la tête. Et si au niveau de la tête, il n'y a pas un agenda, il n'y a pas une conviction qui construit certaines cohérences mathématiques, on n'aura pas de résultat. On ne peut pas embarquer véritablement toutes ces bases vers une destination. C'est très important. Et là, je rejoins M. l'abbé José lorsqu'il dit que les alliances ne doivent pas se fonder sur des convergences d'intérêts, mais sur des convergences de vision. Sur des convergences de vision. Il me semble que c'est encore un défi. C'est encore un défi. Deuxième chose, je dois vous avouer aujourd'hui que lorsque nous parlons des idéologies, nous devons relativiser. J'ai beaucoup aimé dans le couloir quand M. l'abbé disait que ces idéologies sont en perte de vitesse. C'est vrai, il existe une science aujourd'hui qu'on appelle la collapsologie, qui porte sur l'effondrement des idéologies. Ce qui était censé être l'idéal civilisationnel est complètement en déliquescence. C'est que chaque société qui voudrait véritablement se mettre debout doit refonder, doit réinventer. Et nous le disions également dans mon bureau, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en France, on voit ce qui se passe partout à travers le monde. On est emporté dans un tourbillon sans fin. C'est la mort des idéologies. Bien entendu, tout est démodé, tout est dépassé. Aujourd'hui, on a besoin qu'on invente. Et là, il y a un problème réel de l'intellectuel, de l'élite qui est la nôtre, à la fois politique et intellectuelle. Monsieur l'abbé disait quelque chose qui m'a intéressé. Pourquoi nous importons tout? Pourquoi nous sommes absorbés par les idées des autres? Les idées, tout en admiration. Tout en admiration. Nous sommes des mimétistes. Pourquoi tout ce que nous avons fait comme formation ne nous permet pas d'imaginer des systèmes qui sont puisés dans notre patrimoine culturel et de là voir les petites victoires? Toutes ces victoires qui ont été compatibles à la maintenance de notre société, tirer de cela, théoriser que nous puissions avoir un système. Et tous les pays à travers le monde, asiatiques, latino-américains, occidentaux, sont en train de réfléchir, y compris ceux qui ont mis en place cet ordre international qu'on appelle mafia politico-financière. Ils sont en train de revisiter naturellement leur façon de faire les choses parce qu'il y a des évolutions positives. Et quand on y reste de manière
dans l'animalité zéro, on est emporté, on risque d'être recolonisé. Ben, je voudrais quand même revenir à ces déclarations que vous faisiez de manière péremptoire, vous pouvez vous tromper. C'est vrai qu'il n'y a pas des mauvaises troupes, mais vous pouvez vous tromper. Les deux chefs, celui de la majorité et celui FCC-CACH, disons, pour résumer, en tout cas, d'après, et nous avons des bonnes sources, ils s'entendent. Ils s'entendent. Mais faites attention. Ça peut être une attente en apparence. Nous pouvons nous tromper. Vous pouvez aussi vous tromper. Ça, bien entendu, parce que là, il faut fouiner. Il faut faire l'analyse criminologique pour savoir quel est l'agenda de chacun. Quel est l'agenda de chacun? Ok, c'est parti, décidément. Modeste Bonnier. C'est que quelque part, il peut y avoir la non-sincérité, mais apparemment, une attente. Et là, ça peut, j'aime bien le peu. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez tout vous tromper aussi. Oui, Modeste Boligama. Oui, je crois que effectivement, l'émission a tout de suite décollé parce que... et a pris de la vitesse de croisière. Oui, parce que M. Labbé a bien planté le décor. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, lorsqu'on n'a pas une vision commune de ce qu'on veut faire pour ce pays, mm-hmm. quelle est la vision qu'on a pour le Congo? Parce que si on a cette vision commune, on peut avoir des petites querelles au niveau de l'intendance, au niveau des modalités, mais lorsqu'on arrive au point où on se dit c'est l'essentiel qui est en danger, tout de suite tout le monde reprend sa place. Mm-hmm. Or, le fait de ne pas avoir cette vision commune et de n'avoir à l'esprit que, bon, il y a un gâteau à se partager. Mm-hmm. Le partage n'est jamais fini parce qu'on a fait ça au niveau ministériel, mais on sent que bon, il y a toujours des mécontents, tout le monde n'est pas encore servi et on n'arrivera jamais à servir tout le monde. Donc l'alliance autour de la mangeoire naturellement va continuer à conduire des frictions et des conflits parce que on va continuer à perdre de vue qu'il y a cette fameuse mafia politico-financière internationale qui finalement veille au grain, c'est-à-dire le grain pour la mafia, c'est un pays où les gens sont distraits, bon, pas oui, l'essentiel. Oui. Donc, on peut continuer notre prédation parce qu'ils n'y voient même pas. Ça arrange cette mafia. Donc, nous devons arriver à inventer notre système à nous qui permette, bien sûr, de tenir compte du fait que cette mafia, on ne va pas la balayer comme ça de revers de la main, mais qu'on va montrer que désormais, on est prêt à discuter, à échanger, à faire dans toutes ces choses-là, à commercer, mais plus comme avant, c'est-à-dire où nous, on est là chaque fois pour dire « oui chef, oui chef ». Mais quand est-ce que nous allons avoir le temps de nous consacrer sur ce qui est essentiel, parce que nous sommes tout le temps distraits par des futilités. C'est Aimé Césaire qui disait que le principal malheur, finalement, que la colonisation nous a amené, c'est d'avoir tué notre capacité d'initiative. Parce que, justement, aussi longtemps que nous sommes habités par l'idée que non, mais nous, on est là pour consommer ce que les autres amènent, même si Norbert ou l'abbé José venaient avec une idée lumineuse pour nous sortir de la crise actuelle, personne ne va l'écouter. Parce qu'on va continuer à dire, non mais lui, ben, qu'est-ce qu'il peut... Nous n'avons pas le droit, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête, nous n'avons pas le droit d'oser inventer, d'oser proposer. Très bien. Merci, Modeste Boudéga. Monsieur l'abbé, n'avez-vous pas l'impression que dans cette démarche, Joseph Kabila a essayé de voir ou d'imprimer une autre vision à l'extérieur, non? Ce que je pourrais dire avec certitude, c'est que quelque part, il a défié les maîtres du monde, ceux qui se considèrent comme étant les maîtres du monde. Il les a défiés. Et cette défiance risque de lui coûter cher. Parce que les maîtres du monde ne veulent pas de ceux, en Afrique et dans ce qu'on appelle le tiers-monde, les défis. Nous avons vu dans l'histoire
un type comme un monsieur comme Thomas Sankara, n'est-ce pas? Parce qu'il a défié hein, les maîtres du monde, on l'a tué. À l'époque, c'était la règle. Hein. Un homme comme Lumumba, il a défié les maîtres du monde, on l'a tué. N'est-ce pas? Un monsieur comme Musée, Laurent Désiré Kabila, il a défié les maîtres du monde, on l'a assassiné. N'est-ce pas? Et la liste est longue. La liste est longue. Je n'ai cité que ces trois-là, mais la liste est longue. Et j'en suis arrivé à la conclusion que lorsque les maîtres du monde, entre guillemets, n'est-ce pas, détestent un chef ou un leader africain, c'est que ce leader est bon pour nous. Ça, c'est à cela que je suis arrivé. D'accord. Et alors, ils vont chercher à le diaboliser, ils vont chercher à le noircir le plus possible, ils vont chercher à le faire détester hein, par sa population, et ils vont surtout s'arranger pour qu'il ne réussisse jamais aucune politique sociale. Très bien. Et si, hein, malheureusement... Hein, tu n'as pas une certaine force et avec toi un entourage, un environnement humain, hein, politique et économique qui se dit nous allons nous engager réellement pour le social, eh bien tous les discours, toutes les bonnes intentions que tu auras ne passeront pas dans la réalité. D'accord, vous avez répondu à votre à la question à votre façon. Mais notre ennemi commun pour faire court, en fait c'est la pauvreté. Nous vivons sur un pays... potentiellement riches, mais nous sommes pauvres. Et que faire, monsieur l'abbé, que faire pour... Vous n'avez pas voulu qu'on parle beaucoup de... Comment on appelle des idéologies. Alors que faire? Qu'est-ce que vous suggérez très rapidement? Très rapidement, je dirais d'abord, tu parles de pauvreté, hein, Kibambi, il faut définir cette pauvreté. Parce qu'on a tendance à croire que la pauvreté qui est préoccupante et qui est à la base de ce qui est notre ennemi, c'est la pauvreté matérielle, la pauvreté économique hein, et tout ça. Mais moi, je crois que la vraie pauvreté, et tout à l'heure, ça m'est passé par la tête, et je vais sortir ça, la vraie pauvreté, elle est ontologique. C'est la pauvreté de l'être. Et cette pauvreté de l'être, elle est aggravée par le fait que, tu évoquais tout à l'heure la colonisation, eh bien la colonisation nous a déshumanisés. C'est-à-dire, pour ces gens-là, hein, les maîtres du monde, nous ne sommes pas des êtres humains. Le pays comme le nôtre, la RDC, ce n'est pas une terre des hommes, c'est une terre des choses. Et les hommes, voyons l'histoire, l'esclavagisme, c'était quoi? C'était considérer les Congolais comme des choses, comme des marchandises qu'on vend, n'est-ce pas? Et par la suite, eh bien, il y a eu toute cette colonisation qui nous a amené à ne pas croire en nous-mêmes, à perdre notre dignité humaine, n'est-ce pas? Et à nous considérer en quelque sorte comme... Comme des choses, comme on voulait qu'on nous considère. Alors, on parle aujourd'hui de la main-d'œuvre. On parle, hein, nous sommes devenus main-d'œuvre. Nous sommes devenus des outils de travail, hein, mais des outils de production, mais pas des êtres humains. Et je crois que la grande lutte contre la pauvreté, c'est la lutte pour l'humanisation, pour la dignité hein, de l'homme congolais, de l'homme noir, de l'homme congolais en particulier, que nous retrouvions cette dignité humaine. Je donne un tout petit exemple que je vis chaque jour là où je suis à Nsélé. Eh bien, ça illustre bien. Aujourd'hui, je l'ai encore vécu d'une manière très très forte. Nous prenons un petit taxi qui s'appelle le Ketch. Hein, c'est prévu pour 5 personnes. Le chauffeur, une personne devant et à la limite 3 personnes derrière. Eh bien, vous savez combien nous sommes dans ce véhicule? Nous sommes à 10. Nous sommes à 10. C'est-à-dire comme des choses. Hein? Nous sommes à 10. 4 devant, donc le chauffeur plus 3 qui se confinent, et le chauffeur, comme ce sont des trucs automatiques, il peut se mettre tout à fait au bout de son véhicule. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'il y en a 3 dans le coffre. Mon Dieu. Et c'est là l'illustration parfaite
de la chosification de l'homme congolais. Il s'est chosifié, on l'a chosifié, mais il s'est aussi chosifié lui-même. Il choisit d'aller dans le coffre, alors que le coffre a été fait pour mettre des choses. Alors si tu choisis d'aller dans le coffre, ça veut dire que tu te considères comme une chose et tu te mets au rang d'une chose. Et merci, pour moi, c'est grave. Merci, monsieur l'abbé. Ce sont des choses que nous devions effectivement changer. D'ailleurs, un autre exemple, c'est que la civilisation égyptienne, c'est une civilisation noire. Les blancs n'ont pas voulu accepter que ce soit une civilisation noire parce que le noir n'a pas le droit d'être propriétaire d'une civilisation comme celle-là. C'est extraordinaire. Donc, c'est la première, le premier comportement que nous devons acquérir. D'abord, un tour de table par rapport à ce qui vient d'être dit. Je partage ce que disait tout à l'heure l'abbé José Mpundu, mais je voudrais nuancer en disant que la réflexion est intéressante, mais nous devons faire un effort pour comptabiliser les évolutions positives par rapport au paysage politique national et international. Très bien. Dans les années 50, même pendant la colonisation, il a existé ce que nous avons appelé la guerre froide. Et cette guerre froide mettait en confrontation deux puissances. Aujourd'hui, et à l'époque, cette confrontation a permis véritablement la mort de beaucoup de nos leaders qui étaient des visionnaires. Raison pour laquelle Kwame est tombé. Kwame est tombé pas parce qu'il ne servait pas son peuple, parce qu'effectivement, il était à la compte des intérêts, n'est-ce pas, de l'ordre international. Et voilà, aujourd'hui, il y a une certaine évolution. Au lieu que nous ayons une puissance unipolaire, que sont essentiellement les Américains, il y a multipolarité. C'est qu'il y a une marge de manœuvre. Oui, dans laquelle on peut s'engouffrer. Dans laquelle on peut pouvoir se mouvoir lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a une conviction. C'est très important. Et là, il faut faire de réserve sur le pseudo-souverainisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, au même moment que vous clamez souverainisme, mais vous devenez l'impérialiste de couleur noire. Parce que l'impérialisme n'a pas de couleur. Ce qu'on nous pille de l'extérieur, mais il y a des compatriotes qui nous pillent à l'intérieur. Ils sont pires que ceux qui nous pillent de l'extérieur. Et donc, lorsqu'on voudrait véritablement restaurer ce point ontologique, il faut à la fois mesurer son impact face à ces mafias qu'on voudrait véritablement démolir, mais aussi sa capacité de donner des réponses par rapport à ses concitoyens dont on porte véritablement l'espérance. Il me semble que tous ceux qui se sont proclamés souverainistes ont démontré très clairement que oui, ils avaient des attitudes réactionnaires, pas révolutionnaires, des attitudes réactionnaires vis-à-vis par exemple, de ces mafieux. Mais ils avaient aussi des attitudes, des dominations, des privatisations des ressources de la République, qui, visiblement, leur donnent la possibilité de défendre vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est un problème réel. Et donc, peu importe la multipolarité, peu importe leur réticence vis-à-vis de la domination extérieure, mais quel est leur impact vis-à-vis de leurs concitoyens? C'est la pauvreté la plus absolue et c'est la construction d'un îlot d'abondance. C'est ça. Cependant, il faut faire beaucoup d'attention. Conclusion, oui. Mais conclusion, je dirais que aujourd'hui, aucun pays ne peut s'en sortir de lui-même. Mais chaque pays doit avoir son particularisme, doit avoir son enracinement, doit avoir sa fondation. Et si cette fondation, il peut construire des greffons, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur, peu importe le pays. Et nous avons la possibilité véritablement de le faire. Malheureusement pour nous, au même moment que nous dénonçons ce qui vient de l'extérieur, mais nous n'avons pas un projet alternatif pour que nous puissions véritablement consolider notre conviction. Et donc, nous sommes des éléments de substitution. Et c'est pourquoi ça ne s'arrête pas. D'accord. On continue à nous dominer. Et entre nous, dans la guerre, de la mâchoire, on est en train de s'entretuer parce que personne n'a un projet. Et écoutez les hommes politiques, on ne vous donne pas l'offre politique. On est resté véritablement comment on peut avoir un poste, comment on peut véritablement gérer ces sujets-là. Une petite question.
si on en est arrivé là, n'est-ce pas parce que nous sommes instrumentalisés, parce qu'on sait ce que nous pouvons être capables de faire si nous nous entendons, si nous nous mettons d'accord? Oui, mais c'est comme ça qu'à l'époque, vous l'avez dit, la glorieuse époque de Pharaon. Un pharaon, c'est un érudit, c'est un avatar, c'est quelqu'un qui avait la puissance du savoir, qui avait autour de sa ceinture des hommes et des femmes qui sont considérés comme des prêtres, capables de proposer des alternatives avec des intérêts communautaires. Mais aujourd'hui, lorsque vous voulez dire on est instrumentalisé, on ne peut pas clamer sous passe d'une incantation qu'on est instrumentalisé. Au moment où vous êtes conscient que vous êtes instrumentalisé, au regard de votre comportement, on vous instrumentalise parce qu'ils savent que nous ne répondons pas véritablement aux objectifs qui sont les autres. Et ils en profitent au maximum. Je pense que là, l'émission, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous suivront. Enfin, j'espère, il y a beaucoup d'intellectuels. Oui, je commence par ce que l'instrumentalisation dont parlait Norbert, pour paraphraser quelqu'un qui disait on ne colonise que celui qui sont colonisables. Donc on nous instrumentalise quand on se rend compte qu'on est prêt à jouer ce jeu-là. Mais la pauvreté, pour revenir à la pauvreté, et je crois que c'est l'abbé José a raison de dire qu'elle est d'abord mentale. Parce que la pauvreté, si nous étions conscients d'être réellement les propriétaires de ce pays, nous en tant que Congolais, mais ce serait déjà une façon de décréter la fin de la pauvreté. Mm-hmm. Parce qu'à partir du moment où nous prenons conscience que tout ce qu'il y a ici comme ressource nous appartient réellement, et donc nous nous organisons pour gérer au mieux ces ressources abondantes que Dieu nous a données, mais à partir de ce moment-là, on peut dire que la pauvreté est terminée. Parce que nous allons faire en sorte que nous puissions négocier au meilleur prix possible la vente de ce que nous avons comme ressources vis-à-vis du reste du monde. Mais parce que justement, nous ne sommes pas conscients d'être les propriétaires, ce sont les autres qui ont fait des lois, qui ont fait des textes, qui montrent que... D'ailleurs, je voudrais en passant dire que dans la nouvelle constitution, certains n'ont pas compris que maintenant on ne dit plus le sol et le sous-sol appartient au peuple congolais. On dit quoi? Maintenant on dit le peuple congolais exerce une souveraineté sur l'espace, le sous-sol, l'espace aérien et tout ça. Une façon vague de montrer que nous sommes des simples surveillants. Simples gardiens. Des simples gardiens, sans en être les propriétaires. Ça, c'est une subtilité qu'on a glissée dans la nouvelle constitution. Nous, au niveau du CALCC, on avait appelé à voter non. C'était entre autres pour ça. Donc, on nous met dans la tête que nous ne sommes pas les propriétaires de ce patrimoine, que nous ne sommes juste les gardiens. Bon. Et on débite le discours sur la pauvreté. Bon, c'est très bien. Mais cette pauvreté, si déjà on vous l'inculque pour dire que vous... Ne vous en faites pas, vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Et nous l'acceptons. Et nous l'acceptons. Et la preuve, monsieur l'abbé, c'est que, regardez, du côté de l'Ouganda, c'est l'Ouganda qui nourrit le Congo. Du côté du Rwanda, c'est le Rwanda qui nourrit le Congo. Du côté de la Zambie, c'est la Zambie qui nourrit le truc. Bientôt, ce sera nos amis du Soudan du Sud qui nous... Ben, effectivement, le travail qui a été fait est un travail important que nous devons véritablement détruire. Nous devons déconstruire tout cela. Mais nous n'arrivons pas à déconstruire. Pourquoi? C'est une malédiction? Ce n'est pas du tout une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. C'est que, quelque part, la déconstruction, là, elle doit commencer à un niveau profond. L'émission, c'est profondeur, non? Ouais. Eh bien, à un niveau profond, du cœur de l'homme, de l'esprit de l'homme. Vous vous adressez, les abbés, ouais, à l'esprit. Oui. Mais ce devoir vous incombe aussi. Ben, c'est évident. C'est évident que nous avons une mission importante dans ce domaine et un rôle important à jouer dans la déconstruction, n'est-ce pas, mentale, mm-hmm, hein, d'une pauvreté ontologique. Hein. Et quelque part,
quand j'entends notre ami Modeste parler de, du fait que nous sommes les gardiens, nous sommes les surveillants et tout, mais ça remonte à 1885. Déjà, la conférence de Berlin avait décidé que le bassin du Congo était un no man's land, c'est-à-dire une terre qui n'appartient à personne. Une terre où chacun vient exploiter. Et nous vivons, et c'est là où je parlais de vision, nous vivons aujourd'hui avec la vision de 1885. Nous ne sommes pas encore sortis de là. Et il nous faut une sorte de conférence, pas de Berlin, mais une conférence de, je ne sais pas, de Kisangani ou de Bukavu ou de Lubumbashi ou de Mujimai, ou peu importe, mais qui réunirait les Congolais, pourquoi pas les Africains, pour dire, eh bien, nous repensons, n'est-ce pas, l'Afrique, pour qu'elle renaisse, pour qu'elle naisse, n'est-ce pas? Et pour moi, ça, c'est la voie obligée. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'entends certains compatriotes dire « il nous faut une concertation, il nous faut de nouveau nous mettre autour d'une table, il nous faut, je dis, pas se mettre autour d'une table pour se partager le gâteau ». Ça, c'est du déjà vu, du déjà entendu, et nous en connaissons les conséquences. Les conséquences, c'est que quand on se met autour d'une table pour uniquement partager le gâteau, c'est le peuple qui en souffre. Ouais. Mais parce que le gâteau est petit. Ben voilà, en plus. Mais moi, je dirais, si nous voulons nous mettre autour d'une table, tel que j'ai encore entendu hier le cardinal Fridolin en parler dans sa conférence de presse, il est le cardinal de l'unité, du rassemblement, de la réconciliation, et il y en a qui ont déjà évoqué la possibilité d'une nouvelle conférence nationale ou d'une nouvelle un nouveau dialogue et tout, j'ai dit oui, d'accord pour un dialogue, d'accord pour une concertation, d'accord pour une rencontre entre Congolais, mais pas pour se partager le pouvoir. Je mettrai à l'ordre du jour d'une telle rencontre, et je l'ai toujours prêché, j'ai toujours voulu qu'il en soit, mais les Congolais n'en veulent pas nécessairement. Le primo, oui, c'est quel est le Congo que nous voulons bâtir ensemble, c'est-à-dire l'image commune, le rêve commun que nous avons du Congo. Quel est le Congo que nous voulons bâtir ensemble? De deux, quel est le profil des constructeurs, donc des leaders, des conducteurs des travaux pour bâtir ce Congo? Trois, quels sont les moyens que nous mettons en place pour bâtir ce Congo? Parce que nous n'allons pas bâtir un nouveau Congo ou un autre Congo avec les moyens des autres. Personne ne nous donnera de moyens pour que nous bâtissions un Congo qui sera le nôtre. Si nous donnons les moyens, c'est pour bâtir un Congo qui soit le leur. Et nous leur devrons jusqu'à l'éternité. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Merci, monsieur l'abbé. Cher ami, c'est pour cela qu'on se fait ce ping-pong là. C'est pour des raisons de ventre. Bon, vous avez suivi là qu'il y a un défi énorme. Revenons au titre de l'émission. Oui, bien entendu. Ce ping-pong. Dans la construction d'un pacte républicain. Oui. On a toujours fait des concertations, de dialogues, etc. Mais on ne s'est jamais mis d'accord sur la construction de la République. Quel doit être le système que nous mettons et nous partageons et que nous nous engageons résolument tous pour que véritablement le pays puisse justement avancer. Ça, ça reste un défi. Et si dialogue il y a, moi je pense qu'autour de ce pacte républicain, pas autour de partage, parce que tout le monde s'est montré comme des chiens de Pavlov. Quand on sonne, c'est pour venir chercher quoi manger. Nous ne sommes plus à cette étape-là. Et d'ailleurs, mon ami Modeste, on avait invité à l'époque M. Labbé, qui était un peu occupé, mais avec Didier Moumengi, etc. Nous avons travaillé et nous avons même pondu, n'est-ce pas, ce projet de pacte où nous voulons véritablement, nous avons voulu partager avec les acteurs, à la fois politiques et sociaux, pour qu'on voie ensemble où est-ce que nous devons aller. Alors pourquoi ping-pong? Parce que tout le monde veut manger. Ping-pong, c'est vrai que vous n'avez pas tort, mais il n'est pas aussi interdit qu'il y ait des contradictions entre les acteurs. C'est ça justement l'essence de la démocratie. Le choc des idées. Le premier livre que j'avais lu de l'abbé Joseph Mpoundou, parce que c'est lui pratiquement qui nous a initiés dans cette voie, c'était de dire que
Non. Je blague. Oui, nous pouvons aussi avoir nos propres Ok. Alors, non. Voilà. Okay. Oui. Et à l'époque, l'abbé disait que la démocratie elle-même, c'est une gestion de contradictions. Heureusement. Ici, il y a des contradictions, mais on ne sait pas les gérer. Et alors, on est pris par des émotions toxiques. Et la dernière fois, nous avons dit avec vous que politiquement correct, quelles sont les attitudes d'un politique ? Qui se dit politique ? Quelle devra être la qualité de ses prestations, de ses déclarations ? Il doit savoir gérer ses émotions. Il doit savoir gérer ses émotions. Or, personne n'obéit à la tyrannie de gestion de ses émotions. C'est que nous n'avons pas des hommes politiques. Nous avons des politiciens. Et donc, ces politiciens-là, d'autres les appelaient autrement. Enfin, avant, on les appelait politiques ailleurs. Enfin, des gentils. On les appelle des politiques ailleurs ou des pseudo-chercheurs politisés. Qui, visiblement, aujourd'hui, nous ont amenés à une situation difficile. Ils s'imaginent le moins ce que sera le sort des générations futures. Aujourd'hui, le débat, c'est de se dire, oui, nous avons un pas politique. Nous faisons quoi ? Ben, c'est nous devons arracher. Mais ce qui m'a dit, il faut aller. Mon ami ici, on est de temps en temps consultant à la Banque mondiale. On sait analyser nos entreprises ici. Allez-y voir quelque chose. Comment ces entreprises sont devenues des canards boiteux ? On vient, on appelle ses copines, on appelle ses copains, ses amis politiques. On les met sans cursus au sein de l'entreprise. Et finalement, on fait tomber l'entreprise. Il faut avoir gagné. Bon, donc, ping-pong, ça veut politique, dire chacun... Hôte-toi de là pour que je m'y mette. Non, on s'enfronte. On s'enfronte pour gagner quelque chose. Parce qu'on est dans une lutte d'intérêt. Oui, le récipient est très restreint. Et alors maintenant, ils font ping-pong pour montrer sa force et ses muscles, comment arracher quelque chose. Il ne s'agit pas d'un moment, d'un petit moment minimum pour savoir si la personne qui est à Kimbanseke, la personne qui est à Bikoro, à Kasumbalesa, je ne sais pas à Tchela, qu'est-ce que lui peut manger, comment on peut relier les routes de dessert, comment on peut lui donner de l'eau, de l'électricité. Ça, ce n'est pas dans la préoccupation du ping-pong. Dans le ping-pong, c'est savoir, voilà, nous avons un poids politique, voilà combien nous devons avoir, voilà les quotas. Il n'y a que ça, rien que ça. Et donc, nous avons un des politiques qui frise une sorte d'abruti fondationnel, et ça a récupéré, a réparé par rapport à ce que disait M. Labbé, la déformatation, la déprogrammation mentale, la décolonisation psychologique. Il faut que les prêtres aussi constatent aussi leur échec, parce qu'en réalité... C'est pour cela que nous l'avons invité. Alors, allons-y, Modeste Bolivar, parce que si vous laissez... enfin, heureusement, vous théorisez tout cela dans une harmonie... qui frise l'intellectualiste qui répète des leçons. Enfin, je vous provoque un peu, vous avez bien compris. Hein? Vous n'êtes pas perroquet, au contraire. Vous voulez déconstruire tout ça. Modeste. Non, je crois que cette crise de gouvernance pourrait être une opportunité pour le Congo. Parce que si on en arrive là, manifestement, si les deux alliés, parce qu'ils sont dans une coalition, continue dans la surenchère qui est engagée, nous allons droit dans le mur. Dans le mur. Il faut donc les appeler à se rendre compte que le Congo, si c'est ça vraiment, si c'est pour ça qu'ils se sont mis ensemble, il n'en restera plus rien s'ils continuent dans cette voie. Et qu'il faut donc prendre du recul et se dire, nous présenterons un bilan commun. Quel bilan allons-nous présenter si nous continuons à nous déchirer comme ça? Et peut-être à ce moment-là, ils vont se rendre compte que les fondamentaux ont été mis de côté et qu'ils vont alors se mettre d'accord sur effectivement un agenda, une feuille de route pour dire voilà, bon, nous sommes ensemble, comment nous faisons pour que le peuple, à la fin de cette législature, puisse enfin se dire, ah, quand ils ont décidé de se mettre ensemble, nous avons vu la différence. Parce que c'est là où on va les juger. On va voir la différence et puis après on va encore peut-être démarrer une compétition
à chacun de son côté, mais au moins qu'il puisse arriver à cette échéance en disant, voilà, quand nous étions ensemble, voici ce que nous avons pu réaliser en commun. S'ils arrivaient ne serait-ce qu'à nous faire rêver, oui, tout à fait, hein, sur un projet qui nous ferait rêver et que d'autres continueraient, pourquoi pas, ou eux-mêmes, et tout cela. Or, on ne peut rêver que de quelque chose qui est visible, qui est concret, qu'une ouais. chose qui est concrète. Monsieur l'abbé, vous avez la parole pour continuer dans la lancée dans laquelle vous étiez. Ben, je dirais, ce rêve doit être un rêve partagé par tout le peuple congolais. Oui. Alors, le problème, c'est lequel ? C'est que j'ai toujours comparé notre pays à un train dont la locomotive, hein, c'est-à-dire la tête hein, du train, est coupée hein, des wagons. Ça veut dire que les leaders sont coupés hein, de la population. Alors, ils se battent entre eux, hein, et ils s'entretuent, hein, non pas un combat d'idées, hein, non pas une guerre, hein, je dirais, idéologique, une guerre d'idées pour le développement, pour promouvoir l'homme et la société hein, ici au Congo. Non, c'est, comme je l'ai entendu, c'est toujours la guerre hein, pour le positionnement. Pour le positionnement. Alors, le rêve, hein, pour moi, je vais l'expliciter. Je rêve de quel Congo ? Je rêve d'un Congo d'égalité. Un Congo d'égalité. Égalité entre nous, les humains. C'est-à-dire, j'appelle ça le principe de la commune humanité. Que tous nous sommes des humains. Quelles que soient nos différences, tu es Cash, tu es FCC, tu es la Mouka, tu es, je ne sais pas, Moukongo, tu es Moulouba, tu es ceci, catholique, tu es, peu importe ton appartenance, mais tu es un être humain. Ce qui nous unit, c'est le fait que nous sommes des êtres humains. Et ça, les Congolais oublient souvent. Ils l'oublient souvent. Alors, il met en avant-plan hein, les considérations d'appartenance tribale, des considérations de possession des biens, de rang social et tout. Et alors, bon, on s'entretue pour ça. Première chose, donc, un Congo d'égalité. Mm-hmm. Cette égalité, c'est je suis un être humain, tu es un être humain, et en cela, nous sommes égaux. Voilà. Deuxième image de ce Congo, le deuxième trait de ce Congo dont je rêve, un Congo de participation. Mmh. C'est-à-dire, nous participons tous. Il n'y a pas d'un côté les politiques. Et parfois, dans des débats que nous faisons à des occasions pareilles, on donne parfois l'impression que nous parlons des politiciens comme ceux qui font les choses. Et nous, où est-ce que nous sommes là-dedans? Et le peuple, où est-ce qu'il est là-dedans? Il faudrait qu'à un moment donné, nous créons un Congo de participation. Je prends part. Chacun à sa manière, chacun là où il est, chacun avec ses potentialités, ses capacités, avec son charisme, nous prenons part à la construction d'un Congo nouveau ensemble. Troisième caractéristique, c'est un Congo de liberté. Un Congo de liberté. Aujourd'hui, la plus grande souffrance du Congo, c'est de ne pas être libre. Et cette liberté vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis de l'avoir, vis-à-vis du pouvoir et vis-à-vis de la gloire. Et regardez tout ce qui est en train de... Le ping-pong dont on parle tourne autour de quoi ? Autour de l'avoir, autour du pouvoir et autour de la gloire. Vous voyez ? Et alors, tous ces termes que vous entendez, autorité morale, vous entendez des termes, moi j'appelle ça des termes concrets, pour la gloriole, la gloire, hein, on glorifie les gens, et la voix évidemment, celui qui a le plus, et c'est celui-là pour ces personnes n'en veulent pas. Le pouvoir pour avoir. Eh bien, moi j'ai dit, un Congo de liberté, libre vis-à-vis de l'avoir, libre vis-à-vis du pouvoir, et libre vis-à-vis de la gloire. Les trois éléments qui nous asservissent et qui font que nous ne pouvons pas décoller tant que nous n'avons pas pris du recul. Et enfin, la quatrième et dernière caractéristique de ce Congo dont je rêve, c'est un Congo de justice. Et une justice qui va nécessairement engendrer la vraie paix. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la paix, on sacrifie la justice. Et on nous dit, non, 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 pour la paix, nous devons sacrifier la justice. Non, il n'y a pas de paix sans justice.
Et quand je parle de liberté, il n'y a pas de liberté sans vérité. Parce que c'est la vérité qui rend libre. Aujourd'hui, nous nageons dans un amas de mensonges. On vous ment ici, on vous ment là-bas, on vous raconte des contre-vérités, n'est-ce pas? On ne vous dit pas ce qu'il y a exactement autour de telle chose, autour de telle situation. Personne ne dit la vérité. Merci, monsieur l'abbé. Et la participation, elle va de pair avec la responsabilité. Il est malheureux. Le jeu de ping-pong, là, c'est un jeu d'irresponsabilité. C'est-à-dire, chacun essaie de jeter la responsabilité de ce qui ne va pas. Pour que le peuple juge. Hein, pour que le peuple le juge bien et le juge mal l'autre. Et alors, on joue à ce ping-pong-là. Un jeu d'irresponsabilité qui ne va pas de pair avec la participation. Et enfin, l'égalité va de pair avec le respect absolu de tout être humain. Aujourd'hui, l'homme congolais n'a pas de respect pour l'homme congolais. Alors que. Le problème. Alors que. Tout ce que nous faisons, c'est du théâtre. On mourra, comme tout le monde. Nous sommes des humains, nous vivons. Demain, on mourra. On laissera toute cette... Je voulais vous poser une question. Le prêtre a besoin de gloire ? Non. Non. Le prêtre n'a pas besoin de gloire. Ok, ça me suffit. Il doit être un humble serviteur. Tout à fait. Allons-y. Le ping-pong serait le résultat d'un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Quand vous n'avez pas encore purifié l'écosystème, vous n'aurez pas de résultat. C'est très important. Et cet écosystème caractérise véritablement la classe politique de notre pays. Mais il faut retenir une chose. En voulant trop monter, le choc devient très dur en tombant. Chaque chose qui est fermentée, qui est basée sur la souffrance de gens, se fermente et ça finit par exploser. Et personne n'aura plus jamais le contrôle de ce qui arrivera. Et c'est là que l'homme politique doit comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, au lieu que l'on soit véritablement dans un débat des quartiers qui porte sur les intérêts, il faut revenir vers le débat de la prospérité. Et la prospérité, pour nous, et l'abbé l'a dit, a donné véritablement les différentes séquences, mais il faut ajouter, pour réussir véritablement ces différentes séquences, il faut améliorer l'éducation de notre peuple à différents niveaux d'atterrissage. Et ici, parlons de l'éducation politique. Les hommes politiques oublient, et nous l'avons dit la fois dernière, qu'ils sont là pour éduquer, pour former les adhérents, pour qu'ils soient responsables. Monsieur Lavert a parlé de la responsabilité. Bien entendu. Ça, c'est quelque chose capital, mais transitoire. Parce que le vrai problème qui pose la problématique du développement de la République, c'est au niveau du lien ou de la cohérence mathématique entre l'éducation que nous recevons et la performance de notre action vis-à-vis de la société. Est-ce que sommes-nous des perroquins, des récitataires, ou sommes-nous des âmes d'action qui peuvent véritablement booster notre environnement? Il me semble qu'il y a une sorte de divorce entre ce que nous apprenons et ce que nous faisons. C'est comme ça que nous cherchons du travail. Il ne reste plus qu'une minute, on va la donner à Modeste Bonigaba. De toute façon, on reviendra dessus. Oui. Non, je crois que l'émission nous a permis de montrer que la crise de gouvernance que nous traversons est en quelque sorte le point d'alerte pour nous dire que la société va très mal. Parce que, comme dit l'adage, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Si c'est ça que nous on a clairement montré que ce n'est pas ça que nous méritons, mais il faut alors trouver un moyen d'inventer un nouveau système politique qui permette à ce qu'effectivement les meilleurs d'entre nous puissent enfin se rencontrer et dire quel Congo nous voulons pour les générations à venir. Mais monsieur Lebe, vous avez dit quoi pour résoudre le problème? Il faut l'humanisme. Il faut un humanisme. Oui. Le principe de la commune humanité. Commune humanité. Le principe de la commune humanité, je l'ai défini comme un principe qui nous apprend que quelles que soient nos différences de race, d'âge, d'idéologie, de religion, d'appartenance politique, nous sommes tous des humains. Et c'est ça, la plus grande richesse de l'être humain, ce n'est pas la voix, mais ce sont les relations sociales, les relations humaines. Et ça, nous l'avons beaucoup perdu dans notre pays. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, où que vous vous trouviez, vous êtes des hommes, nous sommes des hommes. Quand vous êtes au pouvoir, sachez que les autres sont des hommes.
C'est important. Le voisin qui vit avec vous, c'est un homme. Alors, si vous allez agresser le voisin pour lui voler de l'argent, vous allez voler, c'est comme si vous voliez à vous-même. C'est un homme comme vous. C'est important. Ce ping-pong, si ce ping-pong est fait pour faire plaisir à quelqu'un qui n'en a pas besoin d'ailleurs, ou si c'est pour faire plaisir à vous-même, alors là, c'est dommage. Nous y reviendrons, cette émission, pour essayer d'éclairer un petit peu. Il y a des amis qui sont instrumentalisés. Prenez 5 000 $, allez faire du désordre dans tel quartier. Prenez ceci quand vous reviendrez, vous. Arrêtons cela. Ce pays est riche, immensément riche. Si nous nous considérons tous comme des frères, il y aura moyen de nous mettre ensemble pour essayer de trouver des éléments de rêve qui nous pousseront vers le bonheur. Et c'est possible. Merci, monsieur l'abbé. Merci, cher ami Yambayamba. Merci, Modeste Bonigaba. À vous aussi, je vous dis merci d'avoir suivi ce numéro. À la prochaine.